Le problème de la maladie rénale aujourd'hui en France et de manière générale dans le monde est qu'elle est croissante, mais qu'elle est silencieuse. Donc finalement, on se rend compte qu'on a un problème rénal si on n'a pas fait dépistage uniquement à un stade très tardif où il est difficile de pouvoir ralentir la maladie et même de l'arrêter. Donc l'objectif des néphrologues, c'est d'informer le grand public sur ces pathologies-là. Et dans le cadre du dépistage, ça permet de façon assez simple de parler de cette pathologie-là et puis de montrer qu'avec des examens relativement simples, une bandelette urinaire, une prise de tension artérielle, on peut déjà dépister un grand nombre de pathologies. Aujourd'hui, nous participons avec l'équipe des adultes à la journée mondiale du dépistage des maladies rénales. Chez l'enfant, la question du dépistage est un peu plus compliquée. La maladie rénale chez l'enfant est moins fréquente, beaucoup moins fréquente, mais elle existe et il est important que les gens soient au courant de l'existence de maladies rénales chez l'enfant. Ce qui est important chez un enfant, c'est de suivre sa croissance staturo-pondérale, de prendre sa tension artérielle une fois par an environ à partir de l'âge de 3 ans et dans certains cas, de réaliser des bandelettes urinaires qui se font chez le pédiatre ou chez le médecin traitant. Par la suite, en cas de dépistage de maladies rénales, on peut suivre ces maladies par des prises de sang, des échographies ou des examens plus spécialisés en fonction de la maladie. Alors ici à l'hôpital, nous suivons bien entendu une grande population d'enfants qui sont atteints de maladies rénales et je pense que c'est important de sensibiliser aussi la population au fait qu'il y ait des enfants avec des maladies rénales, qu'il y ait de la dialyse pédiatrique, qu'il y a de la transplantation rénale et que tout ça soit su par le grand public. C'est aussi une des idées de notre participation à la journée de dépistage aujourd'hui des maladies rénales. Et nous essayons aussi depuis quelques années de développer l'éducation thérapeutique des patients et de leurs parents pour leur apprendre à connaître et à pouvoir gérer leur maladie eux-mêmes, à devenir les acteurs de leur maladie.